Salut à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais, ça fait très longtemps. Hier, il y a eu le discours de Monsieur le Président qui nous a confirmé que le confinement a été prolongé au moins jusqu'au 11 mai. Je me suis dit, on a quasiment un mois devant nous, donc pourquoi pas profiter de cette occasion, si on peut dire, non pas que ce soit un moment hyper joyeux, mais voilà. Autant saisir ce moment pour reprendre des vidéos. Si je fais des drôles de grimaces, c'est parce que je suis sur mon balcon, j'ai le soleil de face, mais le but, c'était vraiment de faire un truc chill. Le mood des vidéos qui vont suivre dans les jours à venir, pas tous, mais d'une façon générale, c'est vraiment, on est posé, on vit la même chose, on est en confinement. Donc voilà, c'est vraiment entre nous, plutôt que d'être seule, bien que j'ai la chance d'avoir mon mari et mes enfants, mais vous m'aurez compris, au lieu d'être seule, bah, on vit tout ça, tous ensemble. J'ai pas mes copines avec moi, forcément. Donc voilà, on fait ça comme ça. C'est pourquoi toutes les vidéos qui auront le hashtag Quarantine made me do it, le confinement m'a fait faire ça, ce sont des vidéos vraiment tranquilles, quarantaine. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des vidéos un petit peu plus travaillées, mais bon, on verra. Je suis encore en train de réfléchir à la tournure que ça prend. J'ai essayé de pas trop divaguer parce que c'est mon problème, à chaque fois je parle 50 ans au début de mes vidéos. Aujourd'hui je vais faire ceci à mes cheveux. Le but n'est pas d'être comme ça. J'ai pris une couleur très vive parce que je sais très bien que comme j'ai les cheveux plus foncés que la couleur là-dessus, bah forcément j'aurai une couleur plus foncé, je pense, j'espère en tout cas. Pour être tout à fait honnête, au départ, moi, mon idée, c'était plus de faire un truc de ce genre que vous voyez là affiché à l'écran. J'ai failli le faire cette nuit, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus le décolorant, tout simplement. C'est pourquoi je me suis rabattue sur autre chose. C'était ma deuxième option, c'était passer au roux. Normalement, quand j'improvise des choses un peu bizarres, enfin, non pas que ce soit bizarre, mais quand j'improvise tout court, il y a toujours un couac. Donc j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de couac. J'ai pris le 7.4 Dublin Mango de chez L'Oréal Préférence. Sinon, pour en finir vite fait par rapport aux nouvelles vidéos, comme je vous disais, on va suivre là pendant ce mois-ci de quarantaine. Donc au moins pendant un mois, on va faire cette série de vidéos. Et ensuite, je risque d'être pas mal présente quand même jusqu'au moins mi-juillet. Donc j'espère que vous êtes contents, écoutez, de me retrouver, de me connaître peut-être, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous pouvez voir le contenu de la boîte. Malheureusement, j'avais cru filmer pendant que je mélangeais les produits dans l'ordre, mais je n'avais pas appuyé sur enregistrer, n'est-ce pas? Bref, je vais vous l'expliquer. J'ai dû mettre le gel colorant du petit flacon noir dans le grand flacon blanc, ainsi que la petite huile de brillance, très très bien mélangée. Et voilà, c'est tout pour ce qui est du mélange. Bien sûr, toujours avec les gants, hein, surtout. Alors, comment vous dire que là, c'est le début de la galère? Non pas que ça a été catastrophique, hein, le processus, mais juste sur le papier, c'était indiqué qu'il fallait faire des raies sur les cheveux avec l'embout pointu du flacon. Sauf que j'y arrivais pas du tout à faire des raies. À chaque fois que je passais l'embout, ça n'en faisait pas. Donc j'ai quand même fait les racines par trait, si on veut. Et après, j'ai commencé à étaler la matière vers les pointes. Mais honnêtement, j'ai plus fait ça. J'avais beaucoup de produits, des cheveux courts et pas une grande masse. Donc j'ai surtout essayé d'étaler le produit uniformément un peu partout. Donc voilà. Là, après 30 minutes d'attente, j'ai dû aller me rincer les cheveux. Ils disent tout d'abord rincer un petit peu et après abondamment jusqu'à ce que l'eau qui coule soit claire. Voilà ce que ça a donné. Comme vous pouvez le voir, j'ai filmé vraiment ma réaction en direct. Je ne m'étais pas regardée dans le miroir avant de mettre la serviette sur ma tête. Donc voilà, je vous laisse avec ma réaction.
demie plus tard, 2 heures plus tard, je suis perplexe. Attendez, parce que là, le soleil, il me gêne vraiment. Comme ça, c'est pire, je suis vraiment de face. Mais en même temps, ça m'aidera à vous montrer. J'aime bien en soi la couleur, même si je peux même pas vous dire quelle couleur j'aime bien, puisque j'en ai 2 ou 3 différentes. Là, c'est orange, enfin roux, vraiment comme sur l'emballage. Et là, c'est le roux foncé, ça se rapproche de ce à quoi je m'attendais. Et en même temps, là où c'est foncé, parfois, il y a des petites mèches de cheveux où c'est pour ainsi dire ma couleur naturelle, donc ma couleur d'avant. Ce qui fait que, en fait, je sais pas si c'est la répartition du produit, mais ça me semble bizarre parce que comme j'ai pas les cheveux très longs et que j'en ai pas beaucoup, ça c'est la totalité de mes cheveux là, ce petit truc, j'avais beaucoup de produits, donc j'ai pu vraiment tout englober. Donc il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas de produits. Ça c'est sûr et certain. Donc est-ce que malgré le fait qu'on avait vraiment beaucoup, j'ai plus mis aux racines? Clairement là il y a eu un fail dans le processus, je sais pas ce que j'ai fait de mal. Après vraiment comme je vous disais au début, à chaque fois que j'improvise des trucs, il y a un couac. Clairement, j'étais déjà sûre et certaine avant que j'étais pas née pour être coiffeuse, là je suis encore plus sûre. Mais malgré tout ça, et ben vous savez quoi, ça me déplaît pas en fait. J'aurais préféré que ce soit uniforme, bien sûr, mais en soi, ça me perturbe dans le sens où je comprends pas le pourquoi, mais ça me perturbe pas plus que ça visuellement. Dites-moi vous si vous, ça vous choc. Après, je me demandais est-ce que si je fais la coloration dans 1 semaine ou 2 histoire de laisser quand même mes cheveux reposer, est-ce que ça va du coup tout uniformiser ou est-ce que du coup c'est juste pas possible que mes cheveux là soient de la même couleur que les racines, ou est-ce que au contraire ça va rendre les racines encore plus orange et du coup ça va être surenchérir, je sais pas. Donc si jamais il y a des coiffeurs ou des gens qui s'y connaissent un peu, qui passent par là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si y a un truc à faire pour que ce soit un peu plus uniforme. En tout cas, je suis pas choquée. Comme je disais, dites-le moi si vous, ça vous choque quand je fais ça et tout, quand je bouge. Enfin, si vous vous dites, oh là là, c'est horrible, il y a un gros trait, c'est moche, bye bye. Ou pas. Après, perso, ça me dérange pas. Écoutez, c'était assez sympathique d'avoir cette expérience en la partageant avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment mood chill, comme je vous disais tout à l'heure. Hashtag quarantine made me do it. Donc voilà, ça va être un peu ce genre de vidéo. Parfois un peu plus travaillé, parfois un peu moins. Et là, c'était totalement improvisé. Donc j'espère que ça vous aura plu. À la base, je voulais juste me colorer les cheveux. J'avais pas pensé filmer, mais après, quand j'ai vu quelques vidéos, je me suis dit pourquoi pas. Puis vous apprendrez peut-être de mes erreurs, même si moi-même je sais pas quelle a été mon erreur. Peut-être que vous, vous la verrez, vous direz, faut surtout pas faire comme Ariana. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et restez bien chez vous si vous le pouvez. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.